Mon expérience s'est super bien passée. J'ai rencontré des gens super chouettes. Et puis, moi, j'aime être à Bruxelles. Je trouve que c'est un festival qui est vraiment proche des gens, en fait. Et donc, du coup, c'était hyper agréable de voir le public bruxellois. Je pense que ce que j'apprécie le plus, c'est les discussions qu'on peut avoir justement avec d'autres jurés autour d'un film ou de plusieurs, et de découvrir un petit peu la vision de chacun du cinéma, parce que c'est vraiment tellement subjectif, c'est aussi subjectif la vision du cinéma que la vie qu'on peut avoir sur un plat. La sélection de cette année, franchement, je trouve que c'est une super bonne sélection, parce que c'est des films qui sont très différents, mais qui sont d'un super niveau. Il y a vraiment une maîtrise de cinéma dans chaque film, dans chaque forme. Donc je trouve que c'est du cinéma qui est vraiment de haut niveau, et je trouve que vraiment le public bruxellois a de la chance de pouvoir avoir accès à ces films-là. Il y a des films qui ont été déjà récompensés dans d'autres grands festivals et tout ça. Et j'ai senti que les gens avaient envie de les voir, que les salles étaient pleines. J'ai entendu plein de super commentaires, donc j'espère qu'il y en aura encore plus chaque année. Oui, je viens de terminer le tournage d'un biopic sur Frantz Fanon, qui se passe en Algérie en 1953. Et voilà, on a tourné ça en Tunisie, donc je reviens de ce tournage. Et là, je vais prendre un petit peu de vacances. Je pense cinéma, bière et copains.